Bonjour à tous. Deux petites minutes de patience et nous commencerons notre webinaire. Bonjour et bienvenue à notre webinaire des iPads en classe. Mon nom est Christophe Delbar, je suis chargé chez Lineline Pro Education de vous aider dans la réalisation de vos projets numériques qui intègrent les produits Apple. Suite à la crise actuelle et également suite à la publication du projet Mes outils numériques, nous pensions qu'il était important pour nous de vous proposer ce webinaire afin de vous présenter ce que nous mettons en œuvre pour les écoles désirant se lancer dans un équipement avec les produits Apple. Durant cet exposé, vous aurez un aperçu de tout ce à quoi il faut penser pour faire de votre projet une réussite. Côté pratique, vous avez à votre disposition un chat où vous pouvez dialoguer entre vous, mais également une partie Q&A en bas à droite de votre écran où là, vous pouvez poser vos questions. Mon collègue François y répondra en direct et toutes les questions qui n'auront pu être répondues en direct ou par la suite vous seront envoyées par mail. Ce moment passé avec vous s'articulera autour de quelques points importants. Tout d'abord, Laurent Gérardi d'Apple nous présentera la position d'Apple dans l'enseignement. Julien François, professeur à l'Athénée Royal de Nivelles, nous fera partager le projet One-to-One de son école. Christine Sornin d'Anaitis vous parlera de l'accompagnement pédagogique que nous proposons aux écoles, tant au niveau des directions, des référents numériques, mais aussi bien entendu des enseignants. Par la suite, je parcourrai avec vous notre offre qui vous permettra d'avoir un aperçu des éléments importants. À la fin de la présentation, nous répondrons encore à quelques questions qui auraient été posées dans le Q&A. Voilà, je laisse la parole à Laurent. À toi, Laurent. Bonjour à toutes et à tous et merci Christophe en fait de me donner pour quelques minutes la parole. Donc voilà, je m'appelle Laurent Gérardi et je travaille chez Apple depuis à peu près une vingtaine d'années dans le département enseignement. Et donc mon rôle dans ce département, il comprend en fait trois volets. Un premier volet, c'est travailler en fait avec notre canal de distribution, comme vous le savez peut-être en fait. Et Christophe l'expliquera tout à l'heure. Nous avons un canal en fait qui est spécialisé enseignement, dans lequel on essaye en tout cas d'avoir des personnes qui soient interlocuteurs d'école et qui comprennent l'enseignement. Ça, c'est la première chose. Donc mon rôle est d'animer en fait ce canal de revendeurs. Mon deuxième rôle chez Apple, c'est ce qu'on me demande de faire, c'est de mettre sur pied et en particulier dans les projets qui sont en train d'émerger un peu partout, c'est de réfléchir avec des pédagogues sur la manière dont on va pouvoir accompagner les projets. Donc, parce qu'on considère que c'est bien beau de vendre des tablettes ou des ordis, mais en fin de compte, ce qui est important, c'est qu'au terme d'un an, deux ans, trois ans, les personnes qui les utilisent ont réellement transformé leur manière d'enseigner, j'ai envie de dire, et que les élèves puissent apprendre autrement. Et enfin, le troisième volet dont je m'occupe chez Apple, c'est un volet accompagnement de projet.
Quand je dis accompagnement de projet, c'est que ça soit avec un ministère ou avec une école. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer si vous avez un projet dans votre école. C'est de réfléchir ensemble sur les moyens à mettre en œuvre pour faire vraiment un projet qui tient la route et qui convienne à votre école. Donc, j'insiste sur cette petite, c'est la phrase que j'ai indiquée ici, parce que j'ai envie de dire qu'on n'a pas du tout la prétention chez Apple de se parachuter pédagogue, et ce n'est pas nous qui allons faire les projets dans les écoles. Encore une fois, je répète qu'on va les accompagner, mais avant tout, c'est votre projet. Donc, c'est d'abord, si vous souhaitez mettre quelque chose sur pied, ben on va réfléchir avec vous, évidemment. Mais avant tout, on ne va pas venir avec une solution clé sur porte pour toutes les écoles qui sera la même. Et ça, je crois que c'est un élément qui est, pour moi, extrêmement important. Alors, au niveau du matériel qu'on a proposé et qu'on a proposé au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est bien entendu, en tout cas nous, on croit beaucoup à l'iPad, simplement parce qu'on considère que c'est l'outil qui va pouvoir amener une vraie plus-value de transformation dans les pratiques d'apprentissage. Et je l'indique sur la droite, on pense que l'iPad, c'est vraiment un outil qui est conçu pour sortir du manuel scolaire sans le remplacer et qui peut très bien se transformer en iPad, en appareil photo, en caméra vidéo. Avec le Pencil, on peut l'utiliser comme un bloc-notes, ou encore, on peut utiliser toute une série de capteurs intégrés pour faire, par exemple, de la réalité augmentée ou du codage ou... il est compatible en fait avec toutes les plateformes qui sont aujourd'hui distribuées partout dans le monde, et je cite en particulier Microsoft et Google, puisque vos écoles sont certainement peut-être déjà utilisent déjà ces plateformes. Donc avec un iPad, c'est tout à fait possible de les, faut pas réinventer la roue, vous pouvez les utiliser. L'iPad peut être couplé avec toute une série d'accessoires. On entend ça souvent aussi. Est-ce qu'on peut pouvoir connecter son iPad avec des robots? Est-ce qu'on peut connecter un iPad avec un clavier externe? Est-ce qu'on peut y mettre des souris? Bien, tout ça est prévu. Et enfin, quelque chose qui pour nous fait partie en fait de nos valeurs, c'est toute la partie accessibilité. Donc, il faut savoir que dans l'iPad et donc dans iOS, qui est le système d'exploitation de l'iPad, toute une série de fonctions sont prévues pour des personnes qui sont en difficulté d'apprentissage. Et donc, forcément, si dans la réflexion sur votre projet, ce volet-là a de l'importance, on en parlera tout à l'heure, mais les plans d'accompagnement pourraient prévoir très bien une partie aussi formation des enseignants sur tout ce qui est accessibilité. Enfin, mobile, robuste et une grande autonomie, on imagine bien qu'à partir du moment où on a un outil par élève, l'autonomie a une importance évidemment capitale pour ne pas devoir faire charger le matériel toutes les 2 heures dans les classes. Voilà, alors on entend souvent dire, oui, l'iPad c'est super pour le primaire et peut-être pour le premier, deuxième, troisième secondaire, mais à partir de la quatrième, il faut taper du traitement, il faut faire du traitement de texte, hein, il faut... J'ai envie de dire, j'ai envie de dire qu'un iPad, on oublie souvent qu'on peut y ajouter un clavier, soit le clavier de l'iPad ou en fait un clavier Bluetooth externe et une souris. Et donc à ce moment-là, l'iPad se transforme en fait en un ordinateur tout à fait traditionnel avec lequel on peut rédiger un rapport, utiliser un traitement de texte, Office ou Page qui est livré avec le matériel. Donc, j'ai juste envie de réinsister un tout petit peu sur la manière dont on aimerait pouvoir s'inscrire en fait dans vos projets. Encore une fois, c'est amener un certain nombre de ressources, et les ressources que moi j'aimerais vous proposer ici, c'est un programme de leçons qui a été préparé en fait par tous les enseignants avec lesquels on travaille et qui sont des ressources gratuites. Je pense que Julien et Christine reviendront plus tard là-dessus. Ce sont deux programmes qui s'appellent « La créativité pour tous » et « Le code à portée de tous », qui vont permettre aussi bien aux élèves qu'aux enseignants de réfléchir sur une autre manière de donner cours. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est réfléchir avec nos APLS. Les APLS, ce sont donc des formateurs
des pédagogues qui sont en même temps enseignants et en même temps au service, j'ai envie de dire, des écoles qui souhaitent mettre un projet sur pied. Et donc, ce qu'on vous propose, on vous présentera un plan d'accompagnement complet tout à l'heure, c'est réfléchir avec vous ce que vous avez besoin pour mettre votre projet sur pied. Et enfin, ça peut être aussi un élément intéressant, c'est d'aller visiter une école qui est déjà équipée depuis plusieurs années dans la formule One to One. Et d'ailleurs, à ce titre, je propose de passer la parole à Julien, qui va vous présenter en fait son projet d'école sur lequel on a travaillé ensemble. Et donc voilà, Julien, je passe la parole. Merci à vous tous, en tout cas, de nous consacrer un petit peu de temps. Merci, Laurent. Voilà, confirmez que vous voyez tous ma présentation. Je pense que c'est en ordre. Alors, donc, petite présentation, mais avant de commencer, je pense qu'il est un point important à préciser, c'est que bien que le numérique ait pris une grande place au sein de notre établissement, on sait très bien que la technologie ne remplacera jamais les bons professeurs, mais que dans les mains de ceux-ci, elle transforme l'éducation. Alors voici une petite présentation de ce que nous vivons tous les jours à l'école. Vous voyez que l'iPad est intégré dans toutes les activités, que ce soit dans les activités sportives, les laboratoires, l'utilisation de la réalité augmentée, l'accompagnement des élèves à besoins spécifiques, j'y reviendrai par la suite, la possibilité de faire des photos, de partager des documents. Vous voyez que les élèves ne sont pas... scotché évidemment à leur iPad, mais que leur iPad est bien utilisé comme un outil qui leur permet de faire du codage, ici de la modélisation 3D, jusqu'à réaliser les impressions qu'ils ont pu imaginer. L'utilisation de Procreate avec des tablettes plus grandes, type tablette graphique. L'intégration ici d'une web radio au sein de l'établissement. Avec lesquels, évidemment, l'iPad est très, très utile. Alors, qui sommes-nous ? Mais nous sommes une école à Nivelles du réseau WBE, uniquement secondaire, en tout cas pour l'implantation où nous nous trouvons, d'enseignement général uniquement, qui compte à peu près, pour l'instant, 970 élèves, et pour lequel tous les élèves, sans exception, ainsi que tous les enseignants, sont équipés d'un iPad, donc un vrai projet one-to-one complet. La vision de notre école, c'est de pouvoir mettre l'enseignement en phase avec les technologies modernes et de l'inscrire en résonance avec le monde actuel. En gros, pouvoir préparer nos élèves au monde de demain, même au monde d'aujourd'hui. Nous savons que les technologies sont omniprésentes. Ils doivent pouvoir en faire un usage adéquat, responsable, critique. Et tout ça, évidemment, doit se faire avec l'accompagnement des enseignants et de l'équipe éducative. Alors, en ce qui concerne le choix de l'équipement, nous voulions un équipement qui puisse passer de la classe à la maison et ce facilement, sans avoir des mallettes hyper lourdes à porter. Et donc, nous avions un premier questionnement, hein, quel était le meilleur choix en termes d'équipement ? Est-ce que c'est un laptop plus classique ou bien une tablette ? C'est plus qu'un choix simplement d'accès à Internet, hein. C'est vraiment pouvoir avoir un impact sur le changement d'environnement. Donc, je ne suis pas scotché à mon bureau avec un laptop, mais j'ai un appareil ultra portatif, multifonction, que je vais pouvoir embarquer partout, qui va pouvoir me permettre de réaliser une multitude de tâches bien plus importantes qu'avec un laptop. Et j'aime cette mise en scène, mais je peux me déplacer partout avec cet iPad. Je suis hyper, hyper mobile. On est à l'époque où on fait des classes, on pense au réaménagement des classes, au fait que les élèves puissent se déplacer, bouger, etc. L'iPad répond tout à fait à cette démarche, à ce besoin. Il est évident que pour pouvoir mettre en place un projet numérique, quel qu'il soit, mais bien sûr avec l'iPad, évidemment, il faut un réseau Wi-Fi qui est performant, qui est disponible pour tous les étudiants via leur iPad, pour tous les enseignants, dans tous les locaux sans exception, à haut débit,
et nous avons fait le choix, nous, ici à Nivelles, de le placer en grade médical. C'est une première étape, je pense, dans la réflexion du lancement d'un projet one-to-one, c'est de pouvoir, avant même d'équiper les élèves, s'assurer que le réseau sera efficace au sein de l'établissement et qu'il pourra être géré efficacement aussi par la suite. Notre projet voit le jour en 2015, en tout cas en janvier 2015, où la réflexion du plan numérique est mise en place avec la mise en place du réseau dont je viens de vous parler. En septembre 2015, nous faisons le déploiement des iPads au niveau des enseignants, avec évidemment toutes les formations indispensables, mais j'y reviendrai plus tard, qui ont été données évidemment à nos enseignants et qui sont encore données à nos enseignants. Nous avons pris un petit peu de temps, ça c'est plus les affres de l'administration qui nous a fait commencer finalement notre déploiement au niveau des élèves en septembre 2017. Et donc, à l'heure actuelle, ça fait 3 ans et demi que nos élèves sont équipés en one-to-one. Pour pouvoir gérer l'ensemble du parc de tablettes, nous avons des outils spécifiques. Ici, nous avons choisi d'utiliser JamSchool, qui nous permet une gestion à distance du parc complet, de distribuer des applications, des documents, d'intégrer les différents systèmes, adresse mail et autres, mot de passe du Wi-Fi pour que les élèves ne connaissent pas évidemment le mot de passe du Wi-Fi et les informations de sécurité. Évidemment, tout l'ensemble est hyper canassé, répond complètement aux mesures RGPD qui sont en vigueur chez nous. En termes de gestion de classe, nous avons plusieurs outils à notre disposition pour faire la supervision, pour pouvoir partager des informations. La première, c'est l'application en classe qui nous permet de contrôler en temps réel ce que les élèves font. Je pense que c'est une garantie aussi de savoir qu'ils ne font pas n'importe quoi sur leur appareil. Mais au-delà de la supervision, c'est surtout pouvoir différencier les activités, pouvoir partager des ressources aux élèves en fonction de leurs besoins. Un élève qui a besoin d'exercices de remédiation pourra recevoir les exercices dédiés directement, un élève en consolidation, un élève en dépassement, sans pour autant devoir faire de différenciation au sein de la classe. Donc, chacun va recevoir son matériel spécifique. Et donc, pour moi, je pense que c'est très, très important pouvoir avoir une inclusion complète, quelles que soient les difficultés des élèves. Le partage de l'écran via AirPlay qui fonctionne très bien. Toutes nos classes sont équipées de TBI, mais aussi d'Apple TV. Et donc, les enseignants, mais les étudiants également, peuvent, quand ils en ont le besoin, partager l'intégralité de l'écran de leur iPad. On peut penser par exemple à filmer une expérience pour un prof de science comme je le suis et pouvoir la partager finalement l'ensemble de la classe beaucoup plus facilement. Partager des documents, donc c'est le troisième logo, peut-être que certains le connaissent déjà, c'est le système AirDrop qui est présent sur tous les iPads. Partager instantanément des documents sans avoir besoin nécessairement d'une connexion Internet, sans avoir besoin d'une clé USB, sans avoir besoin de câbles pour pouvoir le faire. C'est vraiment très très pratique pour nous. Ça nous libère évidemment de tout matériel supplémentaire que pour pouvoir partager des documents. Depuis peu, donc c'est-à-dire depuis 1 an et demi quand même, nous sommes passés à l'équipement des enseignants avec le pencil. Même chose pour les élèves à besoin spécifique. Et normalement l'année prochaine, nous passerons à toute l'école avec donc le pencil, ce qui nous permet de faire des notes manuscrites. Une annotation en temps réel directement. Finalement, moi, j'utilise mon iPad comme un TBI. J'ai juste besoin en fait d'un projecteur et d'une Apple TV et je réalise tout le reste finalement à partir de mon iPad. La correction des travaux notamment pour les élèves. En termes d'accessibilité, Laurent nous l'a dit tout à l'heure, l'iPad permet d'apprendre finalement de façon différenciée. Apprendre avec le numérique, c'est vraiment pouvoir apprendre de façon différenciée et à son propre rythme. On a toute une série d'options qui sont disponibles dans l'iPad qui permettront aux élèves d'obtenir les aides dont ils ont besoin. Donc, nous réalisons un accompagnement personnalisé. On a une cellule qui s'occupe donc de ces élèves, des élèves avec besoins spécifiques dans l'établissement. Nous avons un profil défini pour chaque élève et en fonction du profil de l'élève, nous mettons à disposition les réglages nécessaires au niveau de l'iPad pour qu'ils puissent être accompagnés au mieux. Ils reçoivent aussi des formations. Je prends ici la photo que vous voyez en fond. C'est un élève que j'adore qui s'appelle Victor, qui est arrivé chez nous avec de grosses difficultés scolaires en primaire. Il n'a pas bénéficié d'un accompagnement par le numérique.
Il est arrivé chez nous vraiment avec de grosses difficultés. Au bout d'une année équipé avec l'iPad, on a pu répondre finalement à tous les besoins spécifiques qu'il avait. C'est un élève qui est dyspraxique. À l'heure actuelle, il a récupéré tout le retard qu'il avait pu obtenir malheureusement en primaire, mais il fait partie maintenant de nos meilleurs élèves, simplement parce qu'on lui a donné le matériel à disposition. Donc il a un grand iPad, il a un pencil, il a un clavier sur lequel il va taper à une vitesse aussi importante que si un autre élève devait écrire. Et donc voilà, il a vraiment tout ce dont il a besoin. Je pense aux élèves dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques, dyscalculiques. Nous avons plein d'outils finalement sur l'iPad à notre disposition pour pouvoir les aider au mieux. En termes de ressources, on a toute une série de ressources qui sont mises à la disposition des élèves. L'avantage, c'est que l'iPad est multiplateforme, comme l'a dit Laurent, que vous soyez avec une suite Microsoft, une suite Google ou autre, je pense à CISO, Shobi, It's Learning, toutes ces plateformes sont parfaitement intégrées à l'iPad. Il n'y a aucun problème en termes de partage de fichiers, de dossiers et ainsi de suite. On a une grosse plus-value pour moi, je pense, en tout cas lorsqu'on est dans une période de transition, donc on passe de l'enseignement traditionnel à un enseignement numérique, c'est de pouvoir scanner des documents, aussi bien pour l'enseignant que pour l'étudiant. Je ne pense pas qu'avec un laptop, on puisse scanner aussi facilement des documents, mis à part avoir un scanner sur le côté. Là, c'est vraiment de l'instantané et c'est vraiment hyper, hyper pratique. Des manuels scolaires qui sont, bien sûr, en couleur, qui sont des manuels scolaires qui sont créés par les enseignants. Ici, c'est un des manuels que je mets à disposition de mes élèves. Ce sont des manuels, évidemment, qui donnent peut-être certainement plus envie que des feuilles en noir et blanc, qui sont interactifs. Ici, par exemple, j'ai une synthèse dans laquelle j'ai mon Memoji qui, en plus, va donner oralement toutes les consignes, en tout cas tout le texte qui est situé dedans. Pour les élèves qui sont plus auditifs, évidemment, c'est un plus. Donc, des vidéos intégrées, des questionnaires intégrés ou même une personnalisation du manuel par l'élève, donc des zones où ils peuvent y insérer des photos, les photos des expériences qu'ils ont faites, des vidéos qu'ils ont faites, des captures d'écran qu'ils ont faites. C'est vraiment quelque chose pour moi d'hyper, d'hyper pratique, jusqu'à pouvoir leur faire réaliser des sketch notes tels que celui que je vous présente actuellement. Nous avons évidemment des applications diverses et variées qui sont proposées sur le store. La plupart que l'on utilise sont gratuites, mais certaines sont payantes. Ici, celle que vous pouvez voir en petite démonstration, c'est l'utilisation de la réalité augmentée avec le MercCube qui nous permet dans ce cas-ci de faire apparaître une cellule animale, de pouvoir voir tous les organiques qui sont à l'intérieur. C'est une autre manière finalement d'appréhender la matière. Si je prends un élève qui a des difficultés de visualisation en deux dimensions, j'étais dans le cas, je pense que parmi vous peut-être il y a d'autres personnes qui sont dans le cas aussi, pouvoir s'approprier finalement un schéma en deux dimensions, ça peut être compliqué. Pouvoir passer ces schémas en trois dimensions et pouvoir les manipuler dans l'espace, c'est très important. Et en tout cas, moi je peux voir la plus-value au niveau des élèves. Des élèves qui étaient en difficulté de visualisation en deux dimensions peuvent obtenir évidemment les mêmes résultats que des élèves qui n'ont pas ces difficultés en passant par l'utilisation notamment de la réalité augmentée. Le fait d'avoir une caméra frontale et arrière sur l'iPad permet évidemment ce genre de choses. Vous n'aurez pas ça non plus sur un laptop. Les outils de productivité qui sont déjà accessibles sur l'iPad sans avoir besoin d'une suite supplémentaire, avec Pages, Keynote, Numbers, la possibilité de faire des annotations, le dictaphone, ils sont collaboratifs, complètement collaboratifs. Donc, je travaille sur des fichiers Numbers, le même fichier Numbers avec l'entièreté de la classe, où ils implémentent chacun de leur côté les informations et puis on a un document partagé complet à la fin. Ils sont compatibles multiformat, ça veut dire que si vous faites un document Pages, vous pouvez l'envoyer en format Word, en format PDF, dans n'importe quel format. C'était pour nous quelque chose d'essentiel aussi, hein, de ne pas se limiter à un format spécifique. Tous les outils de créativité, comme Laurent l'a dit, vous pouvez obtenir plein de leçons types ou d'activités types de la part d'Apple pour mettre en place la créativité dans votre établissement, que ce soit par la réalisation de photos, de vidéos, de clips, de montage vidéo fait avec iMovie, de bandes son ou de podcasts que vous réalisez avec GarageBand ou de dessins, notamment dans Sketchy School ou dans Procreate pour les plus avancés. Nous, c'était vraiment un élément qu'on voulait mettre en avant parce qu'on sait que la créativité fait partie des compétences qui sont essentielles finalement dans les jobs
qui vont être demandées par les futurs employeurs de nos élèves. Alors, quelques petites réalisations d'élèves pour vous montrer la facilité avec laquelle ils peuvent travailler. Ces trois élèves devaient faire un petit reportage sur un concert de soprano, si ma mémoire est bonne, qui se passait au Stade Vélodrome, donc à Marseille. Pour ne pas utiliser des photos qui étaient déjà existantes, ils se sont photographiés sur le fond vert qui est à leur disposition, donc avec l'iPad, et ils se sont intégrés assez rapidement. Ça prend 2 minutes, je pense, pour eux de s'intégrer sur un fond qui était ici une photo qu'ils ont été chercher sur Pixabay, donc entièrement libre de droit, donc pour pouvoir illustrer leur article. Voilà le genre de choses, le genre de création que les élèves sont capables de faire assez rapidement, assez facilement et beaucoup plus rapidement que nous, enseignants, au final, parce qu'ils sont, ils ne sont pas bloqués par cette crainte hein, de faire mal. Et donc, ils essayent, ils produisent des choses extraordinaires. Voici d'autres réalisations qu'ils ont pu réaliser. L'infographie sur l'Atomium qui a été réalisée uniquement sur Keynote avec des formes, etc., qui sont dans Keynote. Rien ne venait de l'extérieur, mis à part les données qu'ils avaient récoltées pour pouvoir créer cette présentation. Les dessins assez complexes, je trouve qu'ils sont capables de faire. Alors ça, c'est une première activité avec des élèves de première, donc de dessin, des bingos, etc., enfin, des créations de bingo qu'on a fait avec eux. Voilà le type de création dessin que des élèves de l'école ont pu faire, sachant que dans notre établissement, on n'a pas de section artistique, mais simplement qu'on leur a laissé la possibilité de développer leurs compétences, développer leurs outils au sein de l'établissement. Pour voir la création dans un ensemble un peu plus large, j'ai une demoiselle ici qui a dessiné un logo pour une mini-entreprise sur l'iPad avec Procreate. Ce logo a été imprimé et puis a été pressé à chaud sur des tote bags. Donc, on a une collaboration qui se fait entre les élèves de par leurs compétences, ce qu'ils maîtrisent le mieux, etc., qui est vraiment hyper importante. La possibilité, évidemment, de coder. Hein, vous avez toute une série d'outils à disposition sur l'iPad, que ce soit Swift Playground ou alors la possibilité, comme le disait Laurent, de connecter divers robots. Ici, un mini-drone qui est entièrement piloté par le code informatique qu'ils ont pu créer, ou des robots type Sphero où on travaille avec du bloc. Ça fonctionne très très bien. Alors, on n'a pas attendu évidemment que ça s'intègre dans les nouveaux programmes scolaires. On met déjà ça en place pour être opérationnel à partir du moment où tous les élèves devront apprendre à coder. En termes de lien social, le Covid nous a pas été trop difficile, en tout cas parce qu'on a pu garder contact avec les élèves assez facilement, que ce soit sur FaceTime ou sur e-message. On est complètement indépendant du coup des réseaux sociaux, donc la majorité de la communication entre les élèves dans les classes, même avec les enseignants, etc., se fait par mail ou bien par message. Donc, pas besoin d'avoir un compte sur les réseaux sociaux et d'avoir les perturbations que ça peut engendrer, même si on prend évidemment du temps pour leur expliquer quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur ces réseaux sociaux. Si on parle de changement finalement d'enseignement et d'apprentissage, il faut aussi repenser l'environnement. Nous avons créé des espaces qui permettent évidemment de favoriser l'utilisation du numérique dans l'établissement. Un studio photo, vidéo avec un fond vert, avec l'éclairage, les supports pour les iPads nécessaires pour pouvoir faire un travail évidemment de qualité. Une radio, vous voyez, qui fonctionne sur Mac, mais à partir desquelles les élèves peuvent brancher leur iPad pour diffuser la musique, pour pouvoir faire une interview en direct, ce qui s'est déjà fait, et de la diffuser. Donc, ça fonctionne très, très bien. Nous avons un Fab Lab avec imprimante 3D et autres, mais à partir desquels on utilise aussi l'iPad ou les Mac qui sont à disposition pour pouvoir produire, créer évidemment plein de choses, et c'est un espace qui est ouvert à tout le monde. En termes d'évaluation, nous avons des outils d'évaluation au service finalement des apprentissages, à savoir des outils qui permettent l'évaluation formative, sommative ou bien même le RCD avec Kahoot ou Clap ou Quidget ou l'application pour l'école. Ça nous facilite grandement le travail. Je pense que parmi vous, il y a certainement des directions de la zone Brabant-Wallon et donc qui ont dû, comme nous, repenser leur système d'évaluation. Et donc, honnêtement, pour nous, ça a été vraiment d'une grande aide
et d'une grande facilité, et surtout de pouvoir en plus transmettre facilement les résultats et faire le suivi au niveau des parents. En termes de compétences, on peut évaluer les élèves, on peut les évaluer différemment finalement qu'avant. Moi ici, dans le cadre d'un de mes cours, je leur ai demandé de faire une réalisation d'une capsule vidéo, donc avec des consignes, hein, 3-4 élèves, maximum 3 minutes, un temps d'apprentissage qui est bien défini avec un temps de recherche, un temps de conception, ils vont s'occuper de storyboard, du script, un temps de prise de vue, un temps de montage et bien sûr un temps de partage de leur production. L'exemple, c'était une capsule vidéo sur l'albédo. J'avoue, ce n'est pas un thème qui est hyper intéressant pour les élèves, mais travailler de cette manière-là, on arrive à travailler sur la motivation et donc ils produisent quelque chose et ils apprennent. Et si on réfléchit en termes de compétences, on peut voir qu'on a la possibilité de travailler des compétences, bien sûr, disciplinaires, mais aussi des compétences transversales, celles que malheureusement, on oublie trop souvent, surtout, alors pas forcément un retour en termes de points, mais surtout un retour en termes de fonctionnement, d'efficacité, d'amélioration, et ce que nous avons appelé les compétences technologiques. Alors, pas l'utilisation de l'iPad, vous le repérez, mais concevoir un storyboard, faire un montage vidéo, comment fonctionne l'incrustation sur fond vert, ce sont quelques exemples de compétences ou points technologiques qui seront pour eux très certainement indispensables dans le futur. Si je reprends les compétences essentielles pour le futur, créativité, on y est, la collaboration, on y est, la résolution de problèmes en plein dedans et l'esprit critique, ce sont tous des éléments à partir desquels on peut travailler avec l'iPad, grâce à l'iPad, en complément évidemment de nos cours habituels. Quels sont les résultats? Quels sont les bénéfices finalement pour nos élèves? Alors nous avons, je ne vais pas vous apporter des chiffres, mais nous réalisons des audits à plusieurs reprises pour voir un petit peu quelle est la plus-value évidemment de ces outils. On se rend bien compte que les élèves sont beaucoup plus créatifs, ou en tout cas osent beaucoup plus qu'avant, et ont un panel finalement de créativité beaucoup plus important. Ça augmente la motivation, notamment chez les élèves qui sont peut-être moins fixés sur un apprentissage dit traditionnel. Et donc, le fait de passer par des outils numériques leur donne une motivation supplémentaire. Les outils de collaboration, donc on collabore, donc je ne vous apprends rien sur le travail à distance, synchrone et asynchrone. Cette collaboration est possible grâce aux outils numériques. Les élèves sont évidemment beaucoup plus autonomes et ont beaucoup plus confiance en eux. Pour que tout ce que je viens de vous montrer puisse se réaliser, il est bien nécessaire que les enseignants soient formés à ces outils numériques. Et je remercie Christine qui est ici et toute l'équipe des APLS qui nous ont accompagnés dans notre projet, qui nous ont permis de constituer une équipe d'enseignants référents qui sont on va dire les moteurs du développement numérique au sein de l'établissement. Chaque référent fait partie d'une équipe disciplinaire spécifique, pourra partager son expérience, diffuser finalement les bonnes manières de faire ou les idées de leçons et autres qui peuvent être mises en place. Et donc pour nous, c'est très très important. Si vous voulez que votre projet puisse tenir, vous avez besoin de formation. Les enseignants doivent être confortés dans l'utilisation de l'outil. Et je vais laisser la parole à Christine pour continuer mes propos. Mais c'est grâce à l'accompagnement dont on a pu bénéficier de par Anaïtis et donc par Christine et par l'ensemble des APLS que nous avons pu mener à bien notre projet One-to-One. Je vous remercie pour votre écoute et je laisse la parole à Christine. Bonne journée à tous. Merci Julien, j'espère que vous m'entendez tous. Voilà, bonjour à toutes et tous, je m'appelle Christine Sornin et je coordonne les activités des formateurs APL francophones mais également germanophones. Donc, comme le soulignait Julien dans sa présentation, une des clés de la réussite d'un déploiement, c'est vraiment l'accompagnement et la formation des enseignants. Le programme APL est un programme de formation professionnelle Apple, mais qui est destiné aux établissements scolaires. Je peux vous dire que dès 2012, soit quelques mois après l'arrivée de l'iPad en Belgique, les écoles numériques, hein, il y en a quelques-unes ici, et les établissements qui ont opté pour du matériel Apple
que ce soit des iPads, mais aussi des ordinateurs Mac. Toutes ces écoles, comme celle de Julien également, ont pu bénéficier donc des formations Apple. Pour vous donner une petite idée, durant l'année scolaire 2019-2020, on a donné plus de 80 sessions avec tous les formateurs Apple dans toutes les écoles, enfin dans des écoles plutôt, de Wallonie à Bruxelles, mais également en communauté germanophone. Alors, qui sont ces formateurs ? Ces formateurs, il s'agit pour la plupart d'enseignantes et d'enseignants qui sont qualifiés pour démontrer, vraiment démontrer, comment utiliser au mieux les outils Apple dans l'enseignement. Le rôle de ces formateurs, c'est d'abord d'accompagner dans un premier temps la direction, mais aussi d'encadrer, de conseiller, de soutenir les équipes pédagogiques, et ce, non pas uniquement dans le début du projet, mais tout au long du déploiement. Notre équipe comprend à ce jour, on va essayer de la renforcer, mais 10 formateurs Apple certifiés qui travaillent en partenariat avec l'App9 Pro. On a 9 francophones qui sont répartis en Wallonie et à Bruxelles, une formatrice germanophone qui est basée à Eupen. Alors, comment se déroule cet accompagnement ? Comme le disait Julien dans sa présentation, et on le constate tous les jours, un projet qui fonctionne, c'est vraiment un projet qui obtient l'adhésion de tous les acteurs qui sont impliqués. Donc, à savoir la direction, les équipes techniques, pédagogiques, financières, mais également les parents et les élèves qu'il ne faut pas oublier. Il est donc primordial donc pour le porteur du projet, le directeur, mais également toute l'équipe qui anime ce projet, il est primordial pour moi de communiquer, de former et d'informer tout le monde sur ce projet. Alors, comment est-ce que ça se passe dans la phase préliminaire? L'App9 Pro et un formateur APLS ou deux formateurs APLS vont accompagner la direction pour planifier le projet et ce, en fonction des objectifs à atteindre, donc ce qui a été défini dans votre vision. Lorsque les choix sont arrêtés, les APLS vont former les enseignants. Mais comme le disait Julia également, ils vont les aider à mettre en place un réseau de référents numériques en interne pour accompagner leur père. Donc, et ce, à nouveau, chaque jour, pouvoir compter sur un référent numérique en interne est quelque chose de très, très important. Nous pouvons également prévoir avec les formateurs APLS des ateliers numériques pour sensibiliser les élèves aux bonnes pratiques numériques et aussi pour informer les parents, les rassurer, mais les informer surtout sur les enjeux du numérique dans la formation de leur enfant et pour l'avenir. Donc, pratiquement, comment se passe l'accompagnement d'un projet? Tu peux passer au slide suivant. Merci, Christophe. L'accompagnement se déroule en fait sur plusieurs mois. Il peut varier, bien sûr, d'un établissement à l'autre. Hein, donc, ça peut partir sur plusieurs années. Mais il comporte généralement 5 étapes que je vais résumer rapidement. La première étape consiste à mettre autour de la table tous les intervenants, comme je le disais, la direction, les représentants des équipes pédagogiques, techniques, financières, un formateur Apple peut-être et l'App9 Pro. L'objectif vraiment de ces rencontres, c'est d'identifier les points essentiels de votre projet, mais également d'établir une feuille de route. Lorsque les objectifs alors sont clairement définis, l'offre matérielle, mais également le plan d'accompagnement sont présentés à la direction par l'App9 Pro qui va valider cette proposition. Un calendrier va être établi pour les travaux de mise en conformité des infrastructures. On pense bien sûr au réseau Wi-Fi dont a parlé Julien également, mais également pour la commande du matériel pour les enseignants, pour les élèves, la formation des référents numériques en interne et bien sûr la communication vers l'extérieur, vers les parents et en interne également. Débute alors vraiment le programme des formations professionnelles Apple pour le personnel enseignant. Donc, comme on le disait tout à l'heure également, il s'agit vraiment de formations sur mesure pour répondre vraiment aux objectifs visés par votre établissement. On peut les donner soit sur site, quand c'est possible, bien sûr, ou à distance. Et toutes ces formations donc, sont accompagnées de supports pédagogiques. Julien a parlé des ressources qui étaient données dans le cadre du programme La créativité pour tous et le code à portée de tous. Donc, ces ressources sont également très utiles pour les enseignants. Enfin, tout projet de cette envergure devant être évalué, voire adapté,
des sondages et des outils de mesure sont mis en place pour régulièrement analyser l'impact du projet sur l'enseignement et sur les apprentissages des élèves. Voilà, en quelques minutes, je voulais résumer le programme d'accompagnement APL qui peut être mis en place dans votre établissement avec l'APNA1 Pro. Je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la parole à Christophe pour une présentation de l'offre et des services de l'APNA1 Pro. Merci Christine pour cette présentation. Rebonjour, donc voici les points qui seront abordés lors de ma petite présentation. L'APNA1 Pro Éducation, c'est une équipe qui comprend des personnes spécialement dédiées à l'éducation, donc qui peuvent vous conseiller et vous aider à mettre sur pied et à réaliser tous vos projets numériques en y intégrant les produits Apple tels que les iPads. Elle a même en son sein 3 anciens enseignants. Nous avons donc le statut, comme Laurent expliquait, les revendeurs peuvent avoir un statut de spécialiste éducation, ce que nous avons, c'est-à-dire que Apple impose des choses qui, pour pouvoir avoir ce statut, comme par exemple un nombre de personnes certifiées éducation, des propositions de plans d'accompagnement, comme Christine et Julien en ont parlé, des formations. Et nous effectuons des recyclages à ce niveau-là et des mises à jour permanentes. On ne va pas revenir en détail sur l'aspect technique de l'iPad, mais bon, ce sont des performances, c'est un superbe écran, c'est un système d'exploitation fiable, performant, sécurisé et simple à utiliser, une très grande autonomie, et comme on a déjà un peu parlé, l'intégration d'Apple Pencil, où l'iPad devient un carnet de notes, une planche à dessin, une toile, etc., pour développer la créativité des enfants. L'offre matérielle pour de tels projets, ça ne se limite pas qu'à l'iPad. Comme vous voyez sur l'écran ici, elle se compose également d'accessoires utiles, voire même indispensables pour le bon fonctionnement de vos tablettes. Et même si la partie matérielle est très importante, la partie de gestion des iPads est une des faces qui nous semble essentielle à la bonne réalisation de votre projet. Apple et d'autres partenaires ont mis en place une série d'outils qui facilitent l'administration de vos tablettes. Nous allons en passer quelques-uns en revue. Tout d'abord, l'Apple School Manager, qui est un portail web simple d'utilisation qui est destiné aux administrateurs de votre parc d'iPad. Il offre un moyen simple et rapide de déployer les appareils Apple que votre organisation aura acquis. Après votre inscription et la validation de votre compte par Apple, les appareils qui seront alors disponibles dans votre Apple School Manager pourront alors être inscrits automatiquement dans votre solution de gestion des appareils mobiles MDM. Nous verrons par la suite, on en parlera encore un petit peu, mais Julien a déjà parlé un petit peu de Jam School. Donc, et ce qui est très bien, c'est que l'inscription automatique se fera sans avoir manipulé physiquement les appareils. Je me souviens qu'au tout début du projet Nivelle, les élèves ont reçu leur iPad sous cellophane et c'est eux qui ont, entre guillemets, configuré leur iPad. Mais en fait, non, tout était préconfiguré. Et grâce à l'Apple School Manager et au système de gestion donc, qui vont travailler ensemble, les appareils donc seront configurés automatiquement lors de leur première initialisation. Et l'Apple School Manager s'intègre à votre environnement existant. Vous pouvez par exemple demander une intégration avec Microsoft Azure Active Directory au moyen d'authentification, ce qu'on appelle l'authentification fédérée, ce qui permet aux élèves et aux enseignants de se connecter au service Apple avec leurs identifiants Azure AD existants. Apple School Manager comprend des éléments importants tels que l'achat de licences en volume. C'est ici que vous allez acquérir des licences pour les applications et les installer avec votre système de gestion. Donc, l'enrôlement des appareils, c'est-à-dire que vos appareils chez Apple seront reconnus comme vous appartenant. Ce ne seront plus n'importe quels appareils, ce seront vos appareils. Et également, donc, ce qu'on appelle la gestion d'identifiants Apple gérés, c'est-à-dire que chaque étudiant, chaque enseignant recevra un identifiant. Et grâce à cet identifiant, par exemple, il aura droit à un stockage cloud de 200 gigas. Apple School Manager également, donc ce sont les fameux identifiants gérés où vous pourrez créer pour chacun, parce qu'il faut savoir que par exemple, pour créer un identifiant Apple, il faut un âge minimum et les enfants du secondaire n'ont pas tous cet âge-là pour pouvoir le créer. Et cet identifiant Apple géré permettra d'utiliser des services comme en classe, pour l'école, et ainsi de suite.
Alors, au niveau de l'enregistrement de vos appareils, ce qu'on appelait avant le DEP en anglais, le processus sera très simple. Quand vous êtes inscrit, en fait, un des administrateurs de votre compte Apple School Manager possède les privilèges. Il se connecte au site et il va relier en fait votre système Apple School Manager au système de gestion MDM que vous aurez choisi. Et à ce moment-là, les deux systèmes vont communiquer entre eux. C'est-à-dire que, par exemple, les appareils qui seront dans votre Apple School Manager seront directement disponibles et configurables automatiquement dans votre système de gestion. En plus de ces services-là, Apple propose donc des applications spécifiques. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous voyez un petit peu l'application en classe. Julien en a déjà parlé, qu'il utilise énormément, organiser la classe, etc. On peut personnaliser le travail des élèves, on peut partager des documents, lancer, verrouiller des applications. Ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place grâce à tout cela. Également, donc, l'autre application pour l'école qui permet de distribuer et recueillir facilement des devoirs, des travaux, de suivre la progression des élèves également et d'adapter l'enseignement aux besoins des élèves et surtout d'échanger avec eux en temps réel. Alors, à côté de l'Apple School Manager, Apple propose, comme Julien et Laurent l'avaient parlé, des applications en classe pour l'école, mais également des ressources pédagogiques à l'intention des enseignants, avec par exemple le programme Apple Teacher. Alors, Apple Teacher est un programme de formation professionnelle totalement gratuit, qui est accessible par tout le monde. Il suffit de posséder un identifiant Apple et qui est destiné à soutenir et à valoriser les équipes enseignantes qui utilisent des produits Apple comme outil pédagogique en classe. Vous pourrez y apprendre l'utilisation des applications, et je pense que c'est un bon début, un bon complément à toutes les formations pédagogiques professionnelles que Christine et son équipe proposent à ce niveau-là. Et donc, ça permet également de développer des compétences sur l'iPad, sur Mac. En plus, quand on réussit un cours, on reçoit un petit badge, etc. Donc, c'est un peu valorisant et c'est vraiment important. Également, dans les parties de ressources pédagogiques, Apple propose toute une série d'ouvrages avec le thème, comme Julien en a parlé également, la créativité pour tous et le code à portée de tous. Avec la créativité pour tous, comme Julien a dit, les élèves apprennent à développer, à communiquer des idées à travers la vidéo, la photo, la musique et le dessin. Le programme Le code à portée de tous vous guidera dans la découverte de Swift Playground, une application conçue pour enseigner le codage aux enfants, et on peut le faire dès 8 ans. Donc, ce n'est pas seulement prévu pour le secondaire, dès 8 ans, on peut apprendre aux élèves avec l'iPad à coder. Ces ressources sont disponibles gratuitement, donc tous ces livres-là, via l'application Books, et vous pouvez les télécharger et les consulter sans problème. Qui dit gestion des appareils, nous proposons, nous, de notre côté, le Jam School. C'est une solution donc, qu'on appelle un MDM, en anglais Mobile Device Management. Ça s'appuie sur des fonctionnalités qui s'appelaient avant Zooludesk, qui est une solution de gestion des appareils mobiles développée sur mesure pour l'éducation. Donc, ça a été créé par des enseignants au départ. Et donc, son interface qui est très intuitive, ça n'a jamais été aussi simple de déployer des iPads, des Mac et d'autres appareils Apple, et de les recenser, de les sécuriser. Après, livre à vous de déployer et de gérer en toute simplicité ces appareils pour vous concentrer sur votre mission, qui est la partie pédagogique. Voilà, la création et la gestion des utilisateurs, de groupes d'utilisateurs, de groupes d'appareils, etc., est simple comme bonjour. Donc, lors de la mise en place, il y a une formation spécifique à l'utilisation de ce système de gestion. Le Jam School permet notamment et facilement donc d'installer vos applications que vous aurez acquises via l'Apple School Manager. En un seul clic, vous installez une application, par exemple à Nivelles, sur plusieurs centaines d'iPads en un seul clic, et l'utilisateur n'a absolument rien à faire. Pas de mot de passe, il n'est même pas nécessaire d'avoir un identifiant sur l'iPad. L'application apparaît telle comme ça, sans mot de passe. Alors, on peut également créer des profils. Alors, qu'est-ce qu'un profil ? Ça va être, par exemple, comme Julien l'a dit, exemple, pousser le mot de passe du Wi-Fi de l'école. Comme ça, les élèves ne connaissent pas le mot de passe du Wi-Fi de l'école et ne vont pas surcharger le Wi-Fi avec leurs propres appareils. Et il est parfois important de modifier certains réglages sur les iPads. Par exemple, d'imposer certaines restrictions, comme par exemple, empêcher qu'un utilisateur n'efface l'application que vous venez d'installer ou ne change le nom de l'iPad ou que sais-je encore. Tout ça peut se faire très, très facilement et de manière simplifiée via le Jam School.
Une partie importante lors d'un projet, et c'est souvent des questions qu'on nous pose très très rapidement, c'est la question budget. C'est-à-dire, j'ai un budget, qu'est-ce que je peux avoir pour ce budget ? Alors, nous avons le financement de vos projets, donc, est une chose très très importante. Et en partenariat avec Apple Finance, nous proposons une nouvelle façon d'aborder l'aspect budgétaire qu'on appelle le renting. Cette solution de financement se base sur une location du matériel et donc pas sur un achat sur 3 ou 4 ans et sur laquelle on peut inclure les accessoires, le système de gestion, une partie des formations, etc., plutôt que sur l'achat direct de vos appareils, ce qui permet un roulement plus rapide. Et en fait, on voit que cette solution comporte pas mal d'avantages parce que, comme le montre l'exemple ici, c'est qu'on... Bien entendu, ça reste un exemple. Il faudra personnaliser avec votre demande à vous. On est sur le coût mensuel, par exemple, sur 3 ans pour un iPad, on est en dessous de 10 euros TVA comprise. Et si on ajoute une housse de protection pratiquement anti-choc et tout, on est à peu près vers 11 euros. Et donc, ça, c'est un élément important. Et on pourra, bien entendu, lors de vos demandes, faire une offre concrète avec votre projet à vous. Alors, l'équipe 9Pro Éducation, elle est au service des écoles. On ne propose pas seulement que la vente du matériel, mais également, bien entendu, le conseil et le support. Et c'est un des points importants pour nous, que vous soyez assurés d'un suivi de vos projets à tout niveau. La 9Pro, c'est également donc 25 ans d'expérience dans l'éducation, avec actuellement des projets one-to-one en cours en Wallonie, Bruxelles, en Flandre, puisqu'en fait, L'AM9Pro, nous sommes partout sur le territoire en Belgique et nous vous ferons profiter de nos connaissances et notre expérience en la matière afin de vous aider à réussir et atteindre les objectifs que vous vous serez fixés. L'AM9Pro, c'est également des magasins. Voici la carte de Belgique et vous remarquez qu'en Wallonie, nous commençons à nous développer notamment. Donc, nous avons pour l'instant un magasin à Bruxelles, à Liège, et d'ici avril, nous aurons un tout nouveau magasin Namur qui verra apparaître dans un nouveau magasin à notre effigie. Ces magasins sont aussi importants pour nous, c'est-à-dire que ce sont des points de relais pour vous également, où vous pourrez bénéficier d'un support technique ou aussi de conseils par les collègues qui seront présents. Chose importante, tous nos magasins sont ce qu'on appelle des centres de réparation Apple autorisé de Premium Service Provider. Premium, pourquoi ? Parce que nos services techniques remplissent tous les critères d'Apple, tant au niveau, bien entendu, du sérieux des réparations, mais également qu'au niveau de la satisfaction de nos clients, ce qui est, bien entendu, très important pour nous. Et le service, c'est un des points essentiels de l'ADN de l'AM9Pro. Faire de vos projets une belle expérience et que la partie support et technique ne soit pas un frein au développement de vos objectifs. Bon, nous proposons toute une panoplie de services. Par exemple, remote support, donc une aide à distance efficace et rapide, ou alors un contrat, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous savez à l'avance le coût que cela implique pour vous et vous bénéficiez de réductions sur les horaires et les déplacements. Et également pour le Wi-Fi, point essentiel, comme Julien l'a bien précisé, au bon fonctionnement d'un projet impliquant parfois des dizaines d'appareils dans l'école, voire même des centaines, nous pouvons effectuer des tests, des audits de votre Wi-Fi actuel et vous proposer une adaptation si nécessaire et optimiser votre travail, votre infrastructure Wi-Fi. Mais l'AM9Pro, ce n'est pas seulement au niveau Apple des services. Nous sommes ce qu'on appelle un intégrateur système, c'est-à-dire que nous travaillons également et nous sommes certifiés pour d'autres marques importantes. Rucus, c'est toute la partie Wi-Fi. Le Jamf, nous en avons parcouru. Adobe, nous sommes le seul Apple Platinum Reseller en Belgique, c'est-à-dire que nous avons le grade le plus haut, parce qu'en fait, nous avons en interne nos propres formateurs pour tout ce qui concerne la suite Adobe. Et bien entendu, on peut en faire profiter les écoles, et nous en faisons profiter les écoles. Fortinet, c'est tout ce qui concerne la sécurité de votre réseau et de votre accès Internet. Office 365, plus besoin de vous le présenter. Et nous avons également des techniciens en son sein qui proposent et qui installent des solutions complètes de serveurs avec tous les services que cela implique et tout le support, l'installation qui est nécessaire. Bien entendu, l'AM9Pro est partenaire du projet
mes outils numériques lancés par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour faciliter l'équipement des écoles en matière numérique. Peut-être que c'est grâce à ce nouveau projet que vous êtes là, vous êtes présent aujourd'hui. Et pour information, nous avons, il y a quelques jours, remporté le marché d'équipement des écoles faisant partie de Wallonie-Bruxelles Enseignement au niveau de la fourniture des iPads. Voilà, j'espère que ce moment passé avec nous vous aura permis de découvrir l'offre que Line9 Pro, bien entendu, en partenariat direct avec Apple et les formateurs APL. Une brochure a été éditée, dont vous voyez la couverture ici, afin de vous aider dans vos projets. Celle-ci sera, vous aurez le lien de téléchargement où elle vous sera envoyée directement par mail. Comme ça, vous pourrez parcourir tout ce beau document. Ceci est bien entendu un résumé de ce qui est disponible au niveau de l'offre. Donc chaque offre, bien entendu, sera également adaptée à vos besoins, à votre niveau d'enseignement, que ce soit primaire, début secondaire, fin secondaire, technique, enseignement spécialisé, sera adapté à vos demandes, à vos exigences, parce qu'on sait qu'il y a des exigences de timing, de budget ou que sais-je encore. Alors, par la suite, que va-t-il se passer? Nous permettrons de vous recontacter afin de voir avec vous si vous désirez mettre un projet et, bien entendu, ce qui est important pour nous, voir comment on peut vous aider à réaliser ce projet numérique à l'aide des produits Apple. Voilà, nous allons passer aux questions-réponses. Je vais passer la parole à mon collègue François qui a suivi un peu les questions qui sont apparues dans le chat ou dans le Q&A. Ok, merci Christophe. Bonjour tout le monde. J'ai regardé un petit peu les questions dans le Q&A. Il y avait quand même une question très importante que nous pouvons poser à Julien. C'est quel est le roulement de remplacement des iPads? Donc, par exemple, si on a plus de 900, plus de 1000 iPads, qu'est-ce qui se passe avec ces iPads-là lors du remplacement, par exemple? Donc, j'avais pensé poser cette question-là à Julien. Julien, est-ce que tu aurais une réponse à cette question? Merci beaucoup. Si tu veux bien juste la répéter, parce que c'était le moment de la sonnerie chez nous à Nivelles. Aucun problème. Donc, voilà. Donc, la question, c'est quel est votre roulement de remplacement des iPads? Et que deviennent les, par exemple, 900 ou plus d'iPads lors du remplacement? Quand on pense à roulement, il faut penser, donc une fois que le matériel est acheté, il faut avoir un petit stock pour pouvoir remplacer les iPads qui devraient être défectueux ou cassés. Sur les 900, on va compter 1000 iPads de la flotte de l'école. Il faut compter à peu près 5%. Chaque année qui devra être renouvelée. Ou bien vous avez pensé évidemment à une assurance qui couvre les dégâts et qui couvre éventuellement les problèmes techniques également. Mais ça peut, dans notre cas, c'est plus ou moins 5% de roulement. On a prévu l'utilisation des iPads sur 4 ans. Donc ici, on arrive bientôt à la fin de nos 4 ans et donc on va passer sur un renouvellement complet. Mais phasé, très certainement premier degré, deuxième degré, puis troisième degré pour ne pas tout distribuer en une fois, mais le roulement se fera sur l'ensemble du parc. Et pour les iPads qui sont toujours encore fonctionnels, on s'en réserve encore une partie pour des activités un peu spécifiques et l'autre partie sera revendue par le biais du revendeur. Donc, on aura une ristourne évidemment sur le nombre d'iPads qui ont été remis. Donc, les iPads seront très certainement derrière reconditionnés et repartiront sur différents marchés. Mais voilà, je ne sais pas si ça peut répondre à la question. Oui, merci. Oui, voilà, je vois. Il y a une réponse. Super, merci. Donc, ta réponse était très claire. Merci beaucoup. Je crois que Christophe va poser une question aussi, je crois. Oui, pour aller dans le sens de Julien, de fait, nous faisons des propositions de reprise d'anciens iPads, comme un cas partenaire, qui doit être recyclé par la suite. Nous pouvons, Julien, faire une reprise d'un matériel de 20, 50, 100 iPads,
en fin de vie, et ce montant est déduit de la commande suivante, tout simplement. Ok, merci. Julien, une autre question. Pour, par exemple, une école fondamentale, une direction du fondamental, quel type d'iPad est-ce que tu conseillerais? Parce qu'il existe plusieurs. Moi, personnellement, bon, il faut évidemment voir un petit peu quels sont les besoins de l'école, hein, bien sûr. Mais l'iPad qui me semble le plus récurrent et le plus facile à utiliser, c'est l'iPad classique. Donc, en modèle maintenant 10,2 pouces. Parce que les iPad mini, je trouve, sont, même s'ils ont l'air plus pratiques avec les plus jeunes, ils sont quand même assez petits. Les iPad classiques offrent une bonne ergonomie malgré tout pour les élèves. En termes de poids, il n'y a pas une grande différence par rapport aux iPad mini. Donc voilà. Maintenant, je pense que la question à se poser aussi, c'est est-ce qu'on prend des pencils avec ou pas? Et ça, c'est une vraie, pour moi, c'est une vraie question à ce moment-là. Et le pencil, pour moi, est vraiment indispensable. Quel que soit le niveau de cours que l'on donne, on va pouvoir faire des choses vraiment extraordinaires avec ce pencil. Et la capacité, alors, Julien? Alors, en termes de capacité, tout dépend. On a ici pour l'instant des iPads qui sont en 32 gigas, d'autres en 128. Nous, le fait d'utiliser des identifiants gérés nous permet de stocker tous les documents, toutes les photos et les vidéos dans le cloud. Donc honnêtement, avec 32 gigas, c'est suffisant si vous avez l'identifiant géré. Si par contre, dans le primaire, par exemple, l'école n'utilise pas l'identifiant géré, comme c'est souvent le cas malheureusement, ben, l'iPad arrive très vite à être rempli parce que faites une vidéo en bonne qualité, ça remplit assez vite la mémoire. Donc là, dans ce cas-là, il faut plus prévoir un 128 gigas. Mais honnêtement, pour moi, la meilleure solution, c'est un identifiant géré pour chaque élève et de pouvoir avoir les données qui sont stockées dans le cloud. Avec ça, ils ont en plus la possibilité de récupérer ces données sur la plateforme iCloud.com. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment hyper intéressant. Avec leurs 200 gigas, ouais, exactement. Et ouais. Oui, tu as déjà utilisé, parce qu'on parle de Pencil, le Pencil d'Apple, est-ce que tu as déjà utilisé la variante de Logitech? On pose la question ici, le crayon de Logitech. J'ai déjà travaillé avec les deux. Alors, en termes d'ergonomie, pour les élèves du primaire principalement, je trouve que Logitech peut être très intéressant parce qu'elle a une forme un peu plus spécifique et qui s'adapte bien aux mains des enfants. Là, je pense que dans le cadre de l'utilisation des Logitech, de par leur mode de chargement, il faut prévoir de pouvoir les charger en classe, parce que c'est par micro USB. L'avantage du Pencil Apple, c'est que il est rechargeable directement par le port Lightning de l'iPad. Donc, si le Pencil est déchargé, il suffit de le laisser 5 minutes, même pas dans le port de charge de l'iPad, et vous récupérez 30 minutes d'autonomie. Donc, en termes de facilité d'utilisation par la recharge, etc., j'irai plus sur le Pencil. Avec des plus grands, donc pour du secondaire, je ferai d'office le Pencil d'Apple. Maintenant, on pourrait se poser la question, peut-être avec l'ergo ou la logo de l'école, voir si le modèle Logitech n'est pas plus adapté aux mains des enfants, à l'écriture, etc. Mais honnêtement, les deux se valent. Logitech font des très, 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 très bons produits. Maintenant, voilà. Je travaille principalement avec celui d'Apple parce qu'il me semble le plus efficace malgré tout et le plus facile d'utilisation de par la recherche et autres. Ok, merci beaucoup Julien. Une question pour toi Christine. Tu nous as parlé de la grande équipe de formateurs, des APLS et des formations. Si une école veut organiser une formation sur mesure, où est-ce qu'ils peuvent trouver les informations? Est-ce qu'il y a une brochure avec le type de formation, etc.? Où est-ce qu'ils peuvent aller chercher ces informations-là, Christine?
Alors, nous avons un catalogue de formation avec une sélection d'une trentaine de sessions que l'on peut donner ou que l'on donne régulièrement. Mais comme on le disait, donc ce sont des sessions sur mesure. Donc, vous pouvez vous inspirer de ce catalogue qu'on peut télécharger sur notre site. Je vais envoyer le lien dans le chat si vous le souhaitez. Mais vous pouvez également l'obtenir via François ou Christophe chez l'APNEF. Je pense qu'ils ont aussi une copie de ce catalogue de formation. Le mieux est en fait que vous jetiez un coup d'œil sur ce qui est proposé, qu'on se recontacte ensuite et que l'on voit si les sessions qui sont proposées dans ce catalogue vous conviennent ou bien si vous préférez que l'on fasse vraiment un programme vraiment spécifique, soit pour une discipline ou soit pour un panel d'enseignants. Voilà. Ok, merci Christine. Quoi qu'il en soit, il y a aussi Frédéric qui nous pose une question. Il nous demande en combien de temps à peu près est-ce que les professeurs sont formés à l'utilisation optimale de l'appareil et des applications spécifiques telles que IDOSEO, par exemple? Alors, pour répondre aux questions de base, je pense que la maîtrise technique de l'appareil de l'iPad est très très rapide. En quelques heures, on peut très très bien se débrouiller et bien comprendre comment fonctionne l'appareil. Ce qui va prendre, à mon avis, beaucoup plus de temps, c'est toute une réflexion à mettre en place et tous des scénarios pédagogiques à imaginer pour intégrer l'iPad dans sa pratique quotidienne. Donc, ce sont des formations à l'heure où là, on accompagne plus les enseignants pour les aider. Alors, ça peut aller très vite avec des enseignants qui sont très créatifs, qui ont plein d'idées, etc. Ça peut être un petit peu plus long avec des enseignants, soit qui sont réticents par rapport au numérique ou qui ont besoin en fait d'un peu plus de temps pour se poser et pour imaginer la plus-value de cet outil. Donc, on essaye de les accompagner, de les rassurer. Donc, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, ça va vraiment dépendre du profil de vos enseignants. Concernant IDOSEO, alors pour répondre à la question de Frédéric, IDOSEO donc est une application de gestion pour l'enseignant. C'est un outil enseignant dans lequel il peut encoder ses cours, ses classes, ses évaluations, etc. Donc, c'est un outil très, très intéressant. Il existe déjà énormément de capsules vidéo. On pourra aussi vous les proposer dans le mail de résumé. Des capsules vidéo qui permettent aux enseignants vraiment de déjà maîtriser l'outil IDOSEO. Mais si vous souhaitez une formation, je pense qu'avec une session, il y a moyen de se débrouiller. Voilà, j'espère. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup. Très bien. Encore une dernière question pour Julien. Julien, dans une de tes vidéos, à un certain moment, on voit des claviers avec des touches colorées. Et on nous pose la question ici, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur ce type de clavier? En fait, c'est un simple clavier Logitech qui est connecté. Qui est connecté à l'iPad et l'élève. Okay, j'arrive. Ce qui est connecté à l'iPad et l'élève que vous voyez sur la photo en fait a bénéficié de formations spécifiques en dactylographie pour pouvoir en fait au moment où il va prendre note sur son iPad d'avoir une vitesse de frappe identique à un élève qui va écrire de manière manuscrite. C'est des formations ici en l'occurrence qui avaient été données par l'ASBL Cora Coeur. Et donc l'idée de cacher en fait les touches par des gommettes, c'est permettre à l'élève de pouvoir se concentrer sur la frappe dactylo sans regarder les touches. Donc c'est une technique un peu particulière, mais ça s'adapte sur n'importe quel clavier avec des gommettes posées dessus. Ah oui, ah oui, c'est intéressant. Super. Voilà. Ok, merci bien, Julien. Merci à tous. Je crois qu'il n'y a plus vraiment de questions, mais je vais donner la parole à Christophe, car il a encore quelque chose à dire. Merci beaucoup. Merci François. Merci Julien. Merci Christine. Merci Laurent. Voici les coordonnées auxquelles vous pouvez nous contacter. Donc, Christophe Elbar, mon collègue Abdel également, avec l'adresse mail. Vous pouvez nous téléphoner
Bien entendu, nous laissez un message si on ne sait pas répondre. N'hésitez pas à utiliser le mail. Si vous avez envie de nous contacter, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous remercie tous d'avoir assisté à notre webinaire et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.